Bonjour à tous, voici la recette du phare breton. Tout d'abord, commencez par verser dans un saladier un sachet de sucre vanillé. Après, ajoutez 130 g de sucre en poudre. Mélangez. Par la suite, ajoutez 220 g de farine. Après, ajoutez 5 œufs. Et avant de commencer tout ça, vous préchauffez votre four à 180 degrés. Il ne reste plus que deux ingrédients à ajouter. Et aussi, vous pensez à beurrez votre plat. Après, vous ajoutez un trois quarts de lait. L'on a qui le chauffe. Après, c'est chacun sa recette. Là, on ne va pas le chauffer. Et vous ajoutez 20 centilitres de beurre fondu. Et après, vous ajoutez un trois quarts de litre de lait. On n'a plus qu'à remuer tout ça pour faire une belle pâte homogène. Après, si vous voulez, vous pouvez rajouter des pruneaux ou des morceaux de pommes. Mais après, nous, là, on va le faire nature. Après, c'est vous qui voyez. Bon, après, vu qu'il n'y aura plus qu'à verser dans le plat, et après vous enfournez 1 heure au four à 180 degrés. Voilà, c'est plus qu'à enfourner 1 heure à 180 degrés. Allez, Kenavo, Weshal.